Il avait absolument tout pour faire réussir la gauche. Il est lui-même en train de brûler tous ses vaisseaux. On a le droit de critiquer le fait que ces gens-là soient les porte-serviettes du gouvernement. Krutel-Krieff, elle est médiocre, elle ment. C'est tout à fait irresponsable. Les journalistes ont le droit de faire ce qu'ils veulent dans ce pays. Je pense que fondamentalement, c'est du racisme. Le Front National a bondi comme rarement. Ça, c'est un constat. Salut à toutes et à tous, vous êtes sur le Média et vous nous regardez sur le canal 350 de la Freebox, sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube. Vous vous préparez à regarder Sans langue de bois, le débat hebdomadaire qui met Françoise de Goix, journaliste, chroniqueuse pour plusieurs médias et ancienne conseillère politique face à un contradicteur. Et aujourd'hui, comme la semaine dernière, elle est face à Paul Elec, chroniqueur politique pour le Média. Au sommaire, Mélenchon est-il définitivement l'homme à abattre pour une majorité de politiques et d'éditorialistes? La question se pose en tout cas après un week-end où il a été une nouvelle fois sous le feu des critiques. Mais quel est au fond le débouché politique du Mélenchon bashing? L'attaque terroriste du quai de Grenelle samedi dernier, les polémiques qui ont tout de suite suivi, notamment suivant l'axe de la théorie du prénom, en l'occurrence le prénom de l'assaillant, et le lancement de la campagne des Verts en vue des Européennes avec un bad buzz dont il se serait, on l'imagine, bien passé. Salut Françoise, salut Paul. Salut Théo. Salut. Qui veut abattre Jean-Luc Mélenchon et dans quel but? J'ai voulu aborder cette question dimanche en regardant le replay de l'émission « Quelle époque ?» de Léa Salamé sur France 2 et la rubrique « Le photocall » dont le principe est d'imaginer poser des questions à un certain nombre de personnages publics. Parmi eux, cette fois-là, Jean-Luc Mélenchon, florilège. On commence par vous, Jean-Baptiste. Votre question à Jean-Luc Mélenchon. Vous vouliez la retraite à 60 ans, vous en avez 72. Jean-Luc Mélenchon, le Hamas est-il un mouvement terroriste? Krutel-Krieff. Pourquoi essentialisez-vous les Français musulmans au lieu de les regarder comme des Français tout court? Jean-Luc Mélenchon, j'ai pris Terminator 2, le jugement dernier. L'affiche est géniale. Pour la violence, parce qu'il se détruit lui-même, qu'il détruit la gauche, qu'il détruit beaucoup de choses sur lesquelles il avait construit son positionnement. Et qu'il y a de la violence aussi. Anna Cabana, dans le Télégramme, vous avez écrit « Jusqu'où ira votre dieudonisation, Jean-Luc Mélenchon ? Est-ce que vous n'êtes pas allé un peu loin ?» Enfin, c'est lui qui est allé au-delà de lui-même. Vous vous souvenez qu'en 2021, le CNRS avait dit que le concept d'islamo-gauchisme n'existait pas. Depuis le 7 octobre, à la faveur des communiqués officiels de la France insoumise, on a une démonstration chimiquement pure que l'islamo-gauchisme existe. Au lendemain de cette émission, Krutel-Krieff a eu une grosse prise de tête, si vous me permettez l'expression, avec Manuel Bompard et Jean-Luc Mélenchon a tweeté des propos très durs sur Krutel-Krieff, l'accusant d'être une manipulatrice. « Si on n'injurie pas les musulmans, cette fanatique s'indigne », a-t-il écrit. « J'ai voulu que vous regardiez les extraits quelle époque, parce que je me demande, au fond, si toutes ces critiques qui semblent faire consensus dans le petit monde ne convergent pas vers une légitimation des thèses de l'extrême droite sur le fameux islamo-gauchisme notamment. Ce qui m'a marqué aussi dans cette émission, je reviens sur quelle époque, c'est le respect qui a entouré les questions fictives posées à Marine Le Pen, alors même que l'autrice du livre sur les liens troubles de David Rachlin avec les néo-nazis était sur le plateau. Et aussi Emmanuel Macron épargné. Et si, à force de vouloir en finir avec Mélenchon, ce sur quoi ses éditorialistes n'ont en réalité aucune prise, ils achevaient l'idée même de gauche dans ce pays? C'est ma première question, Françoise. L'idée même de gauche, mais je pense que Jean-Luc Mélenchon ne représente pas l'ensemble de la gauche. Moi, je veux bien qu'on fasse toute une introduction sur la victimisation de Jean-Luc Mélenchon, mais Jean-Luc Mélenchon est le premier à couper les gens pour se faire battre. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, qui décide et qui a envie de présider un jour ce pays, polémique de cette manière comme un charretier avec une journaliste? C'est pas parce que Krutel-Krieff pose des questions qui secouent Manuel Bompard qu'il faut la traiter de fanatique et qu'il n'y a que du mépris pour les musulmans. Il le sait très bien en plus. Jean-Luc Mélenchon et Krutel-Krieff, ça fait 25 ans qu'ils se connaissent. Ils se connaissent certainement mieux que vous et moi et toi et moi réunis sur ce plateau. Le sait Jean-Luc Mélenchon que Krutel-Krieff, elle a déjà été placée sous protection il y a des années pour des raisons. Elle était la cible d'islamistes, rien à voir avec, comment dirais-je, le climat aujourd'hui. En tout cas, elle était la cible, une telle cible qu'elle a eu des officiers de sécurité qu'elle-même a demandé à rejeter parce qu'elle n'en pouvait plus de vivre avec ses ouvriers, ses officiers de sécurité. Et vous avez Jean-Luc Mélenchon qui sait cela. Vous n'avez pas, quand vous êtes Jean-Luc Mélenchon, que vous avez 3 millions d'abonnés ou 2 500 000, que votre tweet est vu par 4 millions de personnes,
personne. Vous ne mettez pas une cible comme ça dans le dos de Ruth El-Krieff. C'est tout à fait irresponsable. On peut m'expliquer ce qu'on veut. Les journalistes ont droit de faire ce qu'ils veulent dans ce pays. Si on a envie de secouer Manuel Bompard, ils secouent Manuel Bompard. Moi, j'ai regardé cette interview, j'ai pas vu que Ruth El-Krieff était une fanatique. Ruth El-Krieff, l'islam, c'est son enfance. Elle est née au Maroc, comme tous les juifs séfarades. Elle a vécu toute sa vie avec des musulmans. Elle connaît certainement mieux l'islam que vous et moi. Vous ne pouvez pas faire ça. Non, mais ça veut pas dire grand-chose. Il y a même des anciens musulmans qui sont islamophobes. Théo, j'en ai ras-le-bol de cette stratégie de victimisation de Jean-Luc Mélenchon. J'ai soutenu des années Jean-Luc Mélenchon. Quand il était accusé, qu'il a eu je ne sais pas combien de perquisitions simultanées et qu'il a pété les plombs, je l'ai soutenu parce que c'était insupportable. Mais il n'est pas soutenable, écoutez, quand même. Ça commence. C'est pas simplement depuis le 7 octobre que Jean-Luc Mélenchon dysfonctionne. Il a passé tout l'été à insulter tous les autres dirigeants de la NUPES, à les interpeller directement sur Twitter. Écoutez, pendant les émeutes, on m'a demandé à ce que Jean-Luc Mélenchon intervienne. Il a du pouvoir sur un certain nombre de jeunes gens qui habitent dans ces cités. Il ne l'a pas fait. Écoutez, vous ne pouvez pas dire une chose et son contraire. On ne peut pas dire que les cités ont voté en majorité pour Jean-Luc Mélenchon et dire qu'il n'a pas de pouvoir sur les cités. Soyez sympa. Moi, Jean-Luc Mélenchon... Je ne sais pas ce que ça veut dire, avoir du pouvoir sur les cités. C'est avoir du pouvoir, en tout cas, un pouvoir d'influence. Oui, être capable de dire à des jeunes, c'est bon, rentrez chez vous. Il ne l'a pas fait. Je suis désolée de vous le dire. Parce qu'il n'y a aucune raison politiquement de le faire. Je reviens à Jean-Luc Mélenchon ce week-end. Je le redis, quand on veut être président d'un pays, on ne s'amuse pas à aligner des journalistes de cette manière-là. Je n'ai plus envie qu'on m'explique que c'est son tempérament. Je connais très bien le tempérament de Jean-Luc Mélenchon. Je sais que c'est un méditerranéen. Là, ça n'est pas le sujet. Il a fait quelque chose qui est grave, de mon point de vue. Dans la séquence, ça n'est pas correct et ça n'est pas responsable. Après, moi, je ne vais pas me lancer dans des grands discours sur il est antisémite ou pas, je m'en fous. Ce que je vois, c'est son comportement. Il avait absolument tout pour faire réussir la gauche. Il est lui-même en train de brûler tous ses vaisseaux. Alors, je suis désolée de le dire, mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai voulu quand même qu'on regarde ces extraits, parce qu'en parlant de cible dans le dos, le fait qu'au quotidien, un homme politique parmi les présidentiables de ce pays soit considéré comme un islamiste, un islamo-gauchiste, le parrain des islamistes, l'inspirateur des islamistes, etc. Et qu'en réalité, derrière... Oui, non, mais ça se dit aujourd'hui. Je suis désolé, mais quand on l'accuse de mettre des cibles dans le dos parce qu'il explique que Ruth El-Khileb est une manipulatrice, je vous rappelle que le 1er novembre, elle faisait un édito pour expliquer que toutes les ONG de type Amnesty International n'avaient pas parlé des otages, ce qui était faux, et elle ne s'est jamais excusée. Parce que c'est une manipulation. Non, mais sauf qu'elle, elle est journaliste. Elle est censée. Mais que les politiques disent quelque chose. Elle est journaliste, éditorialiste. Elle a une responsabilité particulière. Mais non, pas quand ça m'arrange. Pas quand ça m'arrange. Son rôle, c'est d'être. Elle s'est excusée le lendemain. Non. Si, bien sûr que si, elle s'est excusée. Elle a dit j'ai peut-être fait. Mais c'est pas vrai. Mais on sait qu'à chaque fois, ils disent des choses fausses. Et puis après, ils font semblant et ils ne sont pas vraiment. Elle s'est pas vraiment excusée. Elle n'a pas reconnu une erreur. Elle a dit je suis peut-être allé un peu vite. Mais c'est son travail. Donc, juste pour. Que de toute façon, dans le fond, Amnesty International n'était pas juste en gros. Mais moi, quand on accuse un homme politique de mettre une cible dans le dos de quelqu'un, on fait le lien avec ce que tu disais, avec l'idée que c'est le promoteur de l'islamisme et de ceux qui appellent à attaquer les personnes. C'est scandaleux. Oui, effectivement, on a raison, la médiocrité n'est pas un crime. Donc Ruth El-Krieff, elle est médiocre, elle ment, c'est une journaliste de comptoir, je veux dire, comme beaucoup d'éditorialistes qui étaient d'ailleurs présents à quelle époque, hein, vraiment un espèce de journaliste de cours qui répète les éléments de l'anglais. Enfin, voilà, c'est très peu intéressant. Ça n'est pas un crime. Mais on a le droit de critiquer le fait que ces gens-là soient les porte-serviettes du gouvernement, voire de l'extrême droite, quand c'est systématiquement le cas, dans ces chaînes en continu. Et, je veux dire, il n'y a pas un problème de victimisation de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon est attaqué pour une raison. C'est qu'effectivement, s'il ne représente pas toute la gauche, il est le seul qui est dangereux à gauche. Le seul qui représente une alternative un peu crédible ou un peu forte, hein, un peu de masse, à la situation au pouvoir. Encore une fois, c'est le seul qui a fait un score intéressant dans les deux dernières élections présidentielles. La gauche, à chaque fois, celle qui donne des leçons, les socialistes, les verts, etc., étaient dans des scores ridicules. Ils continuent à donner des leçons à tout le monde alors qu'ils n'ont tiré aucun bilan de leur pratique terrible du gouvernement, qui a désespéré toutes les classes populaires, qui font qu'ils n'existent pratiquement plus électoralement, sauf quand il y a 50% d'abstention. On va parler des européennes. Donc non, il n'y a pas de victimisation de Jean-Luc Mélenchon, juste il a le droit de s'exprimer et
le bashing, c'était sur lui. C'est-à-dire, il faut regarder les questions, on vient de les voir, les questions sur Jean-Luc Mélenchon. L'envie d'en faire un personnage grossier, un personnage horrible, alors que, voilà, en fait, la violence qui s'exprime dans la société, c'est aussi une violence qui provient du décalage qu'il y a entre le discours mainstream et la réalité de ce que les gens vivent. En plus, Françoise, moi, je vois une réalité, une volonté d'exclure. Par exemple, une des journalistes parle de dieudonisation de Mélenchon, qu'elle espère. Il y a une volonté d'exclure, une volonté d'empêcher toute possibilité de candidature demain. Et c'est dangereux dans la mesure où rien ne prouve que le vide ainsi créé ne profitera pas à autre chose qu'à l'extrême droite. Parce qu'en réalité, ce qui fait la force de Mélenchon aujourd'hui, ce sont les trahisons successives des socialistes. Les socialistes ne sont pas hauts parce qu'ils se sont effondrés comme LR pour des raisons évidentes. Quand on désespère ainsi l'idée même de gauche, il ne faut pas s'étonner demain des résultats d'un contexte où effectivement il y a une violence, des offensives de l'extrême droite. Écoute, moi, je vais t'expliquer. Vous pouvez m'expliquer dans tous les sens ce que vous voulez. Jean-Luc Mélenchon, le 22 avril au soir, il a vu qu'il lui manquait 190 000 voix pour être au second tour. D'accord ? Il s'est dit, comment je les trouve ? Il a changé radicalement. Tous ses plus proches, je ne parle pas de Sophia Chikirou, de Mathilde Panot, je parle d'autres gens, disent, on a vu le changement radical. Ok. Il veut aller chercher ses voix. Il a le droit d'aller les chercher. Mais je n'en sais rien, les 190 000 en tout cas qui lui manquent. Moi, je vous dis une chose. Jean-Luc Mélenchon, il avait tout en 2022. Il avait tout pour devenir effectivement cette force centrale de gauche. Il a gâché tout seul. Je rappelle que s'il fait 22%, Jean-Luc Mélenchon, c'est pas parce que les gens l'aiment. C'est parce qu'à un moment donné, il est devenu le vote utile. Parce qu'il a montré une image. Vous croyez vraiment que le Jean-Luc Mélenchon, l'image qu'il montre depuis le 7 octobre, vous pensez que 22% des Français auraient voté pour lui ? Absolument pas. Évidemment que non. Les 22% de Jean-Luc Mélenchon, c'est pas parce que la gauche s'est effondrée, c'est des gens, bien sûr, parce qu'elle n'avait pas, et c'était Anne Hidalgo, et c'était les Verts. Tout le monde est allé sur la candidature utile de Jean-Luc Mélenchon. Beaucoup moins. La NUPES, oui, aussi. Il y a très peu de voix d'écart entre les deux. Hein. La il y a 450 NUPES, mais bien sûr que si. Mais sauf que, entre les deux, il n'y a pas ce qu'il est en train de montrer lui. Mais il y a eu les perquisitions, je disais la même chose. Non, c'est pas pareil. Entre les perquisitions, péter les plombs en disant « La République, c'est moi » et l'homme que l'on voit depuis le 7 octobre, qui est ambigu sur le Hamas, je sais que ça vous plaît pas, mais je continue de le dire, qui est ambigu sur tout. Moi, c'est pas que ça me plaît pas, c'est que je m'en fous. Je ne crois pas à ces jugements-là, des jugements de plateau, de gens auxquels il n'y a aucun... Mais c'est pas, attends, mais Paul, excuse-moi. Mais non, mais en fait, c'est grave d'accuser quelqu'un d'être ambigu avec un groupe terroriste islamique. Non, c'est votre avis. Mais et ça n'a pas beaucoup d'importance, c'est tout. Ça n'a une importance tellement folle que, de toute façon, évidemment, la social-démocratie reflue. Si Jean-Luc Mélenchon... Mais reflue de quoi ? Attends, si Jean-Luc Mélenchon a 75 députés aujourd'hui, mais c'est pourquoi ? C'est parce qu'il y a eu des accords et que dans des tas de circonscriptions, il n'y a eu qu'un seul candidat. Si Macron dissout demain, vous verrez le groupe LFI sera ramené à 15 candidats. Et je connais la stratégie de Jean-Luc Mélenchon. Les socialistes monteront, vraiment ? Mais je ne sais pas s'ils monteront. En tout cas, le RN ne montera pas. En tout cas, je pense que le RN ne montera pas, contrairement. Bah si la gauche diminue, le RN monte. Je pense que vous vous trompez. Je pense que c'est une faute d'analyse totalement, et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a un nombre incalculable de députés RN, on l'a évalué à 35 ou 40, ok, qui ont été élus parce que le barrage ne s'est pas fait, parce que c'était un candidat NUPES en face, mais LFiste, d'accord ? Moi, je pense que s'il y a une dissolution aujourd'hui, non seulement LFI revient à 15 à 17 députés, mais vous verrez que le Rassemblement National refluera également, parce que... Et donc, ce sera la victoire du macronisme et de la je droite. Je ne sais pas ce que ce sera la victoire, mais en tout cas, le calcul que fait Jean-Luc Mélenchon, on le connaît très bien, Jean-Luc Mélenchon, son calcul, c'est... Je consolide ma base, je suis au second tour, et face à Le Pen, je suis élu. Il se trompe totalement. Face à Le Pen, il ne sera jamais élu. C'est ça, la réalité. Finalement, des convictions, et que ce n'est pas qu'une question de calcul. Je suis désolé. Il y a des prises de position qui sont politiques Paul, dans la période. Paul, pardon de te le dire. Je suis désolé de te le dire. On ne peut pas passer son temps à changer de pied. Jean-Luc Mélenchon a changé de pied 20 fois sur la laïcité. Il opère non, il des virages. Il a changé 20 fois. Si, il a fait un tournant où il a dit... Effectivement, l'islamophobie, qu'il refusait. Non, mais là, moi aussi, je le refuse. Mais non, c'est juste, il n'y a pas 20, vous dites non. 20. Non, il n'y a pas eu 20 changements donc, sur la laïcité.
ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des tournants stratégiques qu'il a pris. Absolument. Il doit les assumer. Et ces tournants stratégiques ne correspondent évidemment pas à la majorité de la gauche. Point barre, c'est tout. Il faut juste qu'il l'accepte. On a eu une chose. La gauche, c'est d'abord LFI. Hein. Je veux dire, personnellement, ce qui me fait toujours bondir de ma chaise quand on parle d'islamo-gauchisme, de voix que Jean-Luc Mélenchon rechercherait par électoralisme, je pense que fondamentalement, c'est du racisme et c'est la réaction d'une société qui ne se rend pas compte qu'effectivement la jeunesse de France est un peu plus bigarrée que par le passé et que n'importe quel homme politique devrait en prendre acte. Alors, le fait que toute, en fait, que la classe politique soit vautrée dans les questions notamment de séparatisme, etc., donne le boulevard dans certaines catégories sociologiques en France, ne fait pas de lui justement l'allié des islamistes. Et je trouve que c'est très ambigu de se répandre dans le racisme et puis d'accuser celui qui ne se répand pas dans le racisme d'être un islamo-gauchiste. Je pense que c'est fondamentalement raciste et c'est le racisme le plus large. Mais ces mots-là m'ennuient parce que c'est des trucs complètement castrateurs. L'islamophobie, l'islamo-gauchisme, c'est aussi castrateur. Mais c'est pareil. C'est les deux faces d'une même pièce. Vous comprenez ce que je veux dire ? Je ne veux pas être prise, moi, en sandwich en tant que femme de gauche à 100%. J'ai aucune leçon de gauche à recevoir de personne. Entre un parti qui s'appelle le Rassemblement National qui m'explique, en gros, que tous les musulmans sont en puissance des assassins et des égorgeurs, parce que c'est ça le discours du Rassemblement National, d'accord ? Le discours du Rassemblement National, c'est même pas les étrangers, c'est les musulmans. Voilà, encore un musulman. Aujourd'hui, c'est ça, ok ? Je ne veux pas, et je pense qu'on est quelques millions à ne pas vouloir être pris en sandwich entre ce parti-là et l'autre face, Jean-Luc Mélenchon, qui nous explique que le seul qui aime et respecte les musulmans, c'est lui. Ça n'est pas vrai, d'accord ? Quelle déclaration ? À quel moment ? Qui a dit ça ? Mais ça n'est pas... Non, ça c'est ce que vous dites que Jean-Luc Mélenchon dit. Moi je suis désolé, c'est pas ce que j'entends. J'entends quelqu'un qui a pris une position et qui a été attaqué par le pouvoir. Tu parles de... Oui, mais en fait, en 2021, quand le ministère de l'Enseignement supérieur lance une enquête à l'université, demande au CNRS de faire un bilan sur les domaines de recherche sur l'islamo-gauchisme. Oui, c'est une prise de position politique et ça a été très très mal reçu dans la recherche. Et oui, c'est une chasse aux sorcières, une forme de macartisme. Tu parlais du fait qu'il y a eu un front républicain inversé contre les candidats de la NUPES. Pourquoi ? Mais parce que cette petite musique, on leur a dit NUPES, LFI, égale islamiste, donc ne votez pas pour eux contre le Rassemblement National. Non mais ça, responsabilité de la Renaissance, je suis d'accord, mais c'est aussi parce que LFI est un pouvoir. Et de tous ceux qui ont le même discours, à savoir dire, bon, l'islamophobie, en gros, si vous la dénoncez, vous êtes un allié des islamistes en puissance, et de l'autre côté, expliquer que... Je ne veux pas être prise en sandwich là-dedans, je refuse totalement. La prise en sandwich existe déjà, il faut choisir son camp. Mais non, je ne suis pas d'accord, moi je suis une social-démocrate peut-être rouge vif, je ne me reconnais pas, je suis désolée, dans Jean-Marc Rouillant, je ne me reconnais pas dans les gens qui peuplent le Parti des indigènes de la République, je ne me reconnais pas dans ce qu'ils disent. C'est tout petit, c'est minuscule, c'est groupusculaire. C'est groupusculaire, mais ça a une influence considérable. Vous avez vu un virage à 180 degrés de Jean-Luc Mélenchon sur cette question, mais je suis désolée de vous le dire. Vous ne pouvez pas simplement accepter que face à une situation dans le pays qui a changé, moi, je l'accepte. À savoir, vous l'avez très bien dit avec ce que vous disiez sur le Rassemblement National, le fait que les musulmans sont dans ce pays, la cible d'attaque systématique, et y compris de la part de gens au pouvoir, et que du coup, y a des gens qui se sont dit, effectivement, dans la période, on veut être à la hauteur, et on explique qu'on s'engage aux côtés de plein de gens dans une lutte antiraciste. Et c'est peut-être pas simplement une prise de pouvoir par le parti des indigènes de la République, par ailleurs, on produit des analyses dans ce pays sur le caractère colonial de la politique française, qui sont un peu plus intéressantes que le commentaire, encore une fois, des médiatiques mainstream. Je suis désolé, moi j'aime beaucoup les analyses produites par Papendaï, par exemple, sur le colonialisme. Je ne sais, ce n'est pas vachement écouté au gouvernement, d'ailleurs. Mais non, mais on s'en fout, mais c'est pas le sujet. Moi, je vous dis juste que ce qui est développé par le Parti des indigènes de la République ne me convient pas. Je ne veux pas de cette gauche-là, ça ne m'intéresse pas. Et par ailleurs, la lutte contre le racisme n'est pas l'apanage et n'appartient pas seulement à la France insoumise. Je suis désolée de vous le dire. Le Parti socialiste est un parti antiraciste. Le Parti communiste également. Les Verts également. Ça suffit, cette idée de penser que le chantre, si vous voulez, des droits humains, c'est Jean-Luc Mélenchon. Les organisations antiracistes proches du Parti socialiste et du Parti communiste ont été mises en déroute
par les propres personnes qui se sentent concernées par le racisme. Tous les mouvements antiracistes, hein, des 15 dernières années, on va dire depuis le 2005, ben, SOS Racisme, hein, cette espèce de fraude socialiste qui n'a aucun intérêt, temps, qui a permis à trois Arabes de rentrer en boîte dans les années 90. En gros, c'est ça. Mais il faut arrêter de dire, ça a été récupéré. C'est des gens qui se sont organisés et qui n'avaient pas besoin d'SOS Racisme. Je rappelle que SOS Racisme, c'est touche pas à mon pote, c'est-à-dire mon pote, on va parler pour lui, et que ces gens-là, ils ont été foutus dehors. Ok ? Mais je suis désolé, il y a le comité à la main, il y a énormément de familles qui sont venues avec d'autres discussions. Je veux bien qu'on balance tout ce qui a été fait. La marche des beurs, c'est quand même un moment exceptionnel dans la vie de la France. Je suis désolée. Et ça n'a rien à voir avec le Parti Socialiste qui a voulu récupérer les forces. Ça ne s'appelle pas la marche des beurs, ça s'appelle l'égalité et la démocratie. Arrêtez avec Julien Drey. Je voulais dire, quand on regarde ce qui est devenu l'incarnation de SOS Racisme, c'est-à-dire Julien Drey, il y a de quoi Julien pleurer. Ok, bah, moi j'ai rien dit, mais c'est plus SOS Racisme, Julien Drey. Il n'est plus du tout antiraciste. Il est raciste aujourd'hui, Julien Drey. Je vous laisse responsable de vos propos. Moi je ne pense pas du tout que Julien Drey est raciste. Mais la réalité, c'est pas parce qu'il soutient. C'est pas les faits, c'est pas parce qu'il soutient l'offensive d'Israël sur Gaza qu'il est raciste. Je vous le dis juste, ça. Julien Drey a expliqué, en gros, qu'on vivait le match retour de ce qui s'est passé avec l'Algérie. C'est de l'assignation à résidence, c'est du racisme. C'est une réponse, c'est pas vrai. On ne peut pas laisser passer ça. C'est une réponse à la jeune militante Rima, je ne sais plus comment elle s'appelle là, qui dit moi aussi, je veux pouvoir retourner chez moi en Palestine. Et Julien Drey l'a répondu c'est comme si moi, je voulais retourner chez moi à Oran. C'est ça qu'il a répondu. Vous ne pouvez pas déformer les choses. De dire ça. Je rappelle que le droit international propose le droit au retour. Mais non, mais je suis désolé. Rima Hassan est interpellé. C'est quelqu'un que je connais. Il y a plein de propos ambigus de Julien Drey, qui d'ailleurs officie sur CNews. Écoutez, moi, vous ne pouvez pas me dire... Vous ne pouvez pas me dire qu'on n'a pas le droit de dire ce qu'on veut sur Mélenchon et vous amuser à dire que Julien Drey est raciste. Je ne suis pas d'accord. Ça n'est pas Julien vrai. Drey, je pense mais que il a... ailleurs, son départ c'est... en politique était une bonne chose. S'il pouvait partir de CNews, ce serait encore mieux. Mais je veux dire, ailleurs, on s'en fout. Sa vieillesse est un naufrage. Je pense pas que ce soit un naufrage. Je pense surtout que la lutte antiraciste n'est pas l'apanage de LFI et de Jean-Luc Mélenchon. Point barre. Non, mais que l'antiracisme moral que propose le Parti Socialiste n'a pas grand intérêt et a été mis en déroute par les mouvements antiracistes dans la société. Pendant 5 ans... Demandez à la vice-présidente de SOS Raciste qui a démissionné il y a une semaine et demie. C'est autre chose que regardez son communiqué de presse. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit « j'ai honte ». Ce qu'on me demande de faire. Paul, écoutez, expliquez-moi, mais je lis autant que vous. Expliquez-moi en 5 ans si finalement il n'y a pas des valeurs qui ont été gardées ce pays. Je veux bien qu'on tape François Hollande, qu'on le traite de tout, de capitaine de pédalo, de débile, de roi fainéant, de ridicule, etc. Il a quand même préservé des valeurs dans ce pays. La déchéance de nationalité. Mais la déchéance de nationalité, il a préservé des valeurs en 2015, en 2016. À la fin de son quinquennat, le Rassemblement National, le Front National, a bondi. Comme rarement. Ça, c'est un constat. Ça, c'est la faute de François Hollande. Je suis désolé. Idéologue comme mais ça. Regardez combien il fait au début. Regardez combien il fait en 2017. D'accord, c'est à cause de François Hollande. Oui, la gauche a échoué dans la lutte. Quand on met au pouvoir une politique détestable qui a brisé l'espoir des classes populaires. Ok, qui a expliqué aux gens que la gauche était un projet de renoncement au service du marché, ce qui est le bilan du quinquennat Hollande. Forcément, le Rassemblement national monte après. C'est ce qu'on a vu. 2012-2017. Regardez les chiffres. Je me demande bien ce que vous diriez alors du. Mais moi, j'ai voté François Hollande. C'est la dernière fois d'ailleurs que j'ai voté socialiste et je ne le referai jamais plus. Mais je dirais, j'ai pas de problème pour dire. Je ne voterai plus jamais Mélenchon. Mais vous pouvez aller voter pour le prochain socialiste qui fera 3%. On ne votera plus jamais. D'accord sur ce désaccord, et ça revient à ce que je disais, cette petite musique, cette crise profonde de la gauche française nous conduit dans les bras du Rassemblement National. Voilà. Un avenir incertain se construit aujourd'hui, et je pense que, effectivement, à titre personnel, les journalistes qui tapent sur Mélenchon comme des sourds en mélangeant des concepts et en faisant entendre une petite ensourdine petite musique qu'il assimile à l'islamisme, à l'islamo-gauchisme, etc., joue le jeu de l'extrême droite. C'est mon point de vue. Je me permets cette fois-ci de le donner en tant que victime du racisme dans ce pays. Je continue avec le deuxième sujet, l'attaque terroriste du quai de Grenelle. Il est peu après 21h entre le quai de Grenelle et Bir Hakeim, dans les 15e et 16e arrondissements de Paris, à quelques encablures de la tour Eiffel, lorsqu'un homme armé d'un couteau et d'un marteau s'en prend à un couple de touristes allemands. Rapidement, les secouristes interviennent, mais pour le mari, il est déjà trop tard. Un Français né de parents iraniens a été rapidement interpellé. Le parquet antiterroriste s'est immédiatement saisi de l'enquête
connu et déjà condamné pour des faits de radicalisme islamiste, l'agresseur a été placé en garde à vue. Il souffrirait de troubles psychiatriques. Dans l'émission Toujours Debout, on a évoqué le fond de la résurgence des attentats djihadistes en Europe sur fond de conflit israélo-palestinien. J'aimerais que nous nous attardions sur un aspect de cette affaire qui traduit une de nos névroses nationales. Une alerte info du Figaro sur le véritable prénom d'origine de l'assaillant, un certain Armand Rachapour Miyandouab, dont le prénom de naissance, vérification faite, serait plutôt Iman. Et donc cette mini-polémique sur le prénom me fait vous poser une question. Est-ce que Éric Zemmour a déjà gagné, Françoise ? Alors moi, je suis tout à fait formelle. J'étais absolument même sûre. Je défendais tout à fait mon intuition, même à l'époque où il était à 16 ou 17% en disant dans qu'il les ne... sondages, dans les sondages. Non, parce que moi, j'ai confiance vraiment dans les Français. Et je pense que les Français ont une grande capacité à séparer le bon grain de l'ivraie. Éric Zemmour... La narration médiatique qui nous amène sur le prénom de ce terroriste-là... La narration médiatique... En fait, elle a été imposée par le camp des Zemmour, d'abord par Zemmour et puis par le JDD, etc. Et maintenant, à chaque fois, on va jouer l'enquête sur les prénoms. D'accord, mais les prénoms, c'est pas nouveau chez Éric Zemmour. Ça a commencé avec Corinne et Satoussi. Ça n'a pas arrêté. Ça a commencé sur je ne sais quel plateau... d'émission, je ne sais pas si à j'étais Fatoussi, pas... Fatoussi, voilà. Donc ça a commencé avec, vous auriez dû vous appeler Corinne. L'obsession des prénoms de Zemmour ne l'a jamais amené au pouvoir. Regardez les sondages d'opinion qui ne sont pas des sondages presque de quali, qui sont des sondages quanti. Moi, je les vois passer, je les ai, les quanti. L'image de Zemmour, elle est désastreuse. Zemmour peut s'amuser à jouer sur les prénoms all the day. Ça ne changera rien à l'idée qui est ancrée chez lui et que les Français ont désormais de lui, c'est-à-dire un épouvantail, un petit homme énervé qui dit parfois des choses intéressantes mais qu'on ne peut pas suivre parce qu'il n'a pas la capacité de gouverner. Comprenez ? Il y a un moment donné... Mais la victoire idéologique, elle est déjà peut-être là. Mais il n'y a pas de victoire idéologique. La preuve, je veux bien que sur le papier, ça donne le sentiment que ça peut fonctionner, mais la réalité, c'est que ça ne fonctionne pas et ça ne fonctionne jamais. Éric Zemmour, la narration médiatique, j'étais d'ailleurs en furie et je m'engueulais tout le temps sur les plateaux parce qu'on faisait grossir la bête, mais dans la réalité, si vous voulez, du vote, dans le secret de l'urne, sur une présidentielle, il y a toujours ce moment où les gens se disent « Où est-ce qu'il nous emmène, ce type ? Est-ce qu'il a la capacité ou pas ?» C'est pour ça que j'en veux pour revenir à Jean-Luc Mélenchon. Parce que Jean-Luc Mélenchon, à chaque présidentielle, il arrive à corriger cette image complètement caractérielle, enragée, tout le temps de mauvaise humeur. Il corrige ça. Les gens se disent « Où est-ce qu'il nous emmène ?» Mais voilà, cette idée clé dans une élection présidentielle, « Où est-ce qu'il nous emmène ?» fait qu'il y a déjà des gens qui sont disqualifiés. Éric Zemmour est disqualifié. Et ma conviction, mais je me trompe peut-être, c'est que Marine Le Pen est disqualifiée pour une autre raison. Parce que Elle nous emmène nulle part parce qu'elle n'est pas à la hauteur du job. C'est à chaque fois ce qui ressort. Dans les échecs de Marine Le Pen, elle ne peut pas être à la hauteur du job. Est-ce qu'il y a de la misogynie dedans ? Je n'en sais absolument rien. En tout cas, je pense que les Français sont plus intelligents que ce que nous renvoient les débats de plateau, vraiment. Paul, moi, je ne parlais pas vraiment de victoire électorale, mais de victoire idéologique, ou en tout cas de petits pas idéologiques, parce que finalement, l'extrême droite dans ce pays, progressivement, elle impose son agenda pour quelqu'un comme moi qui a vécu déjà plusieurs dizaines d'années, et son agenda devient mainstream à un moment donné. Non, mais je suis d'accord qu'en termes électoraux, etc., Éric Zemmour représente qu'une frange très particulière de la bourgeoisie radicalisée, hein, fascisante, très attachée à une vision chrétienne un peu mythique et mystifiée, ouais, voilà, ouais. Et que c'est l'extrême droite historique. Hein, on va dire canal historique, mais retravaillé par ces théories complotistes. Néanmoins, c'est intéressant effectivement de regarder cette espèce de psittacisme imbécile hein, des plateaux de télé qui vont reprendre cette petite musique et qui ne se rendent pas compte que ça ouvre hein, le possible dans ce qui est discuté comme question sérieuse. Et là, il y a un véritable problème. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont gagné ? Non, pas forcément, parce que je pense que justement, ce qui est le décalage qui s'organise aujourd'hui entre la scène médiatique et une grande partie de la population est dangereux pour la démocratie, est dangereux pour l'idée que les gens se font du journalisme. C'est d'ailleurs pour ça que la majorité des Français ont un regard très très critique hein, de la part des journalistes, mais que le combat n'est pas fini parce qu'effectivement les gens sont capables de choisir d'autres priorités hein, que les fantasmes racistes de Zemmour. Maintenant,
La question raciste en France, au-delà de Zemmour, avance avec une stratégie de division du travail militant qui est extrêmement inquiétante. Hein. Vous avez les groupuscules qui maintenant font des attaques dans les rues. Vous avez ce parti de fanatiques qui s'appelle donc Reconquête et qui va dire de plus en plus d'horreurs complotistes et de propos hallucinants. Et ça, en plus, permet à Marine Le Pen d'apparaître comme plus raisonnable. Or, le racisme qui est au cœur du programme politique de Marine Le Pen, lui par contre, est un racisme ancré dans des conditions sociales, ancré dans des catégories de population, et il faut se poser la question de pourquoi. Et en fait, derrière les prénoms, derrière la haine qu'il y a des musulmans ou des arabes dans ce pays, il faut se poser la question de quelles sont les conditions sociales pour l'émergence d'un tel racisme, et ça, c'est une question qui devrait être traitée par les médias et qui ne l'est pas. C'est ça, moi, qui m'intéresse dans la période. Je suis d'accord absolument avec Paul, c'est-à-dire que le racisme ne réémerge que quand les difficultés sociales sont là. Ça, oui, c'est une véritable, c'est une réalité. C'est vrai que la gauche a abandonné les classes populaire, mais non, mais pas n'importe quelle gauche, la gauche socialiste. Même d'une certaine manière, même LFI, malgré les résultats vraiment de Jean-Luc Mélenchon, c'est pas le sujet. On n'a pas réussi à retrouver ce qu'était la gauche pour les gens. La gauche c'était l'espoir, la gauche c'était le combat, la gauche c'était le progrès, la gauche c'était la capacité, non pas même pas de conserver les acquis, c'est d'en acquérir de nouveaux. Il y a un manque global et je mets LFI dedans. Pourtant, je reconnais à la France insoumise la grande capacité de travail. Grande capacité de travail. Nous n'avons plus la capacité de recréer, si vous voulez, cet espoir-là. C'est pas simplement je vais préserver ce qu'on a gagné. C'est qu'est-ce que je crée comme nouveau droit ? Qu'est-ce que je crée comme vision ? C'est ça. Et moi, je pense qu'on a le temps. Je pense qu'on a le temps jusqu'à 2027 de submerger cette tendance qui est lourde, je suis d'accord, mais qui n'est pas liée à du racisme en soi. Vous voyez, du racisme presque génétiquement pur. Non, je suis d'accord avec vous. S'il y a quelque chose de l'ordre du dérèglement social et de la détresse sociale, moi j'appelle ça comme ça, quand vous êtes à 9 millions de pauvres ou 13 millions de gens qui sont en précarité ou qui arrivent en précarité, comment dirais-je, d'électricité ou en précarité de nourriture, bon, c'est désastreux. Mais je crois quand même, ma croyance profonde, c'est que nous avons la capacité de recréer véritablement ce déclic, cet espoir et ce en avant. Vraiment, je pense que nous le pouvons. Je suis d'accord que ça a un côté extrêmement inquiétant, mais au fond, pas si inquiétant. Les Français, encore une fois, sont des gens... en fait, ils sont très raisonnables, les Français, moi, je trouve. Je trouve, à chaque fois, ils disent non hein, à l'extrême droite. Ça dépend desquels, encore une non, fois. Mais je veux dire que dans l'ensemble, globalement, les faits sont têtus. À chaque fois, ils disent non à l'extrême droite. Ouais, enfin, pour l'instant, ça s'érode, parce qu'en 2017, au deuxième tour, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, il y a 10 millions de voix d'écart. En 2022, il y en a 5. Et dans ces 5-là, hein, si on regarde les études un peu de transferts électoraux, c'est massivement les électeurs de gauche. C'est-à-dire des gens qui avaient voté à gauche, et quand on a voté à gauche au premier tour en 2022, c'est majoritairement pour Jean-Luc Mélenchon, qui sont allés voter hein, Emmanuel Macron, avec toute la détestation du personnage. Et ils ont sans doute bien fait, puisque 5 millions de voix, c'était très peu, et qu'il y a au moins 4 millions de voix qui viennent de la gauche. Donc c'est énorme, la contribution. Et justement, je pense que le côté les raisonnables, les Français sont capables de sursaut, peut-être. Peut-être qu'il y a des gens qui sont capables aussi de voter qu'au deuxième tour, mais qu'en vérité, on ne peut pas se satisfaire hein, de ça. Toi, et que je vois une partie inquiétante de la société basculer. Et avant tout, on nous dit, c'est tout le temps les classes populaires, je vois se développer un racisme généralisé dans les classes supérieures, oui, oui. Et c'est eux qui accompagnent la musique. Parce que pour revenir à la question sur le débat médiatique, hein, un, ça envenime. Deux, qu'est-ce que ça provoque ? Ça provoque le fait qu'ensuite, les politiciens vont avoir l'impression que c'est l'obsession des Français du moment, ou en tout cas qu'il y a une espèce de zoom sur ces questions-là, et donc ils vont finir par accepter et au fur et à mesure incorporer hein, petit à petit des mesures, des propos, des visions racistes, et que c'est cet accompagnement par la droite au pouvoir de ce mouvement raciste dans la société, que ce mouvement grossit. C'est ça le problème. C'est donc la vraie victoire en réalité de l'extrême droite. Dernier sujet, le coup de zoom de Françoise. Tu voulais nous parler du lancement de la campagne des écologistes ex-ELV en vue des élections européennes. Un lancement qui a été parasité par un bad buzz, un peu drôle quand même, sur la bouchithérapie, mais pas que. La bouchithérapie, j'ai trouvé ça bien. En tout cas, très audacieux de faire cette thérapie par le corps. Bon.
Bon, c'est pas très connu, mais bon, en tout cas, c'était assez intéressant. Le nom du meeting, c'était Pulsation, c'est mettre à l'honneur le vivant. Alors, il y a le bad buzz, les moqueries habituelles, mais j'ai à peu près compris ce que font les écologistes. Moi, je pense que les écologistes, ils ont compris que cette élection-là, ça ne va pas être aussi flamboyant que la dernière fois parce que les circonstances déjà internationales ne s'y prêtent pas par rapport à ce qu'ils sont eux, leur formation, guerre, politique étrangère, etc. Donc j'ai compris que vraiment, ils allaient sur leur électorat, 10-11%, qui pardonneront toujours tout aux écologistes. Et d'ailleurs, il n'y a pas à pardonner ou pas pardonner, hein, d'ailleurs. Hein. J'ai trouvé ça très audacieux de faire un meeting comme ça. Ça m'a fait un peu marrer. Mais on sait tous qu'en politique, quand le lendemain, vous êtes obligé vous-même, la patronne du parti, Marine Tondelier, d'expliquer le sens du meeting, c'est qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas très, très bien passé, en fait. Mais j'ai compris aussi la stratégie. On peut se dire qu'ils sont complètement fous, mais je vois bien que c'est une capacité, c'est une stratégie pour commencer la campagne en soudant le socle électoral des Verts, parce que tout ça, ça plaît à l'électorat vert, parce qu'on se dit que cette année, la QV 2024, en fonction de ce qui va vraiment planer sur l'ensemble de ces européennes, la question sociale, ça, c'est sûr, mais aussi les questions internationales, les Verts sont pas très forts et pas très à l'aise sur ces questions. Mais c'est pas très, justement, c'est un peu maladroit dans une période de dure. De pas parler de la douceur, de faire de se mettre en spectacle, de se donner en spectacle. Dans... Moi, je sais pas. Vous savez, moi, j'ai bossé avec Ségolène. On avait monté la fête de la fraternité. Elle s'en est pris plein la patate sur l'idée de fraternité. C'était extrêmement joyeux. Ça l'a pas empêché quasiment de gagner le congrès du Parti socialiste derrière. Sauf si on n'avait pas truandé, bien sûr. Moi, je suis quand même pour les expérimentations. Enfin, en tout cas, pour aller au bout de ce que chacun pense. Les Verts... voilà, c'est audacieux de dire, dans une période terrible où tout le monde s'engueule, on va partir sur la douceur, parce que c'est les propos, en fait, de Marie Toussaint, la tête de liste. Bon, c'est pas ma cam, voilà, mais j'entends surtout que c'est le message qui est envoyé à leur base. Et à ce titre-là, c'est pas si bête, la façon dont ça a été fait. Paul. Bon, d'abord, la première chose que je voulais dire, c'est qu'il faut toujours déconstruire le trompe-l'œil qui consiste à croire que les écologistes sont en dynamique. Hein. Juste pour donner un exemple, en 2009, quand se crée Europe Écologie Les Verts, il y a Danny Cohen-Bendit, etc., les Verts font 2,8 millions de voix aux européennes. Gros score, tout le monde en parle. En 2019, c'est-à-dire 10 ans après, alors qu'il y a eu les manifs climat, qu'on n'a jamais parlé autant de la question écologique, etc., etc., ils font 3 millions de voix, c'est-à-dire 200 000 voix de plus, ce qui veut dire qu'ils ne représentent pas grand-chose électoralement, à part cette base spécifique qu'ils essayent de viser. Le problème pour moi, à mon avis, pour eux en tout cas, c'est que justement, ils espèrent trouver du public avec le même discours qu'ils utilisent pour leur base. Et c'est ça le drame des Verts. Le drame des Verts, c'était quel est le rapport des écologistes avec la gauche ? La primaire des Verts, ça avait été quel est le lien d'accroche ? Est-ce qu'on choisit le lien avec la social-démocratie, avec Yannick Jadot, qui avait travaillé avec la CFDT, avec les réseaux de la social-démocratie et aussi du christianisme de gauche, qui est très emprunt dans le discours, je trouve, et qui est un canal de recrutement historique dans les partis. Et dans la social-démocratie et chez les Verts, hein, Cécile Duflo, Marie Toussaint elle-même. Et de l'autre côté, la gauche radicale Alexandre Rousseau, ce qui n'a pas vraiment très accroché. Et cette espèce de discours qui, aujourd'hui, est, à mon avis, problématique pour eux parce qu'il est marqué par la reconnaissance de leur impuissance politique. Moi, j'ai écouté tout le meeting et je vraiment regardé le vocabulaire. Je demande, j'espère, tout le long du meeting, il y a des appels à faire quelque chose, à une espèce d'idéalisme naïf. Donc en fait, vous avez les Verts qui sont, enfin les écolos, qui sont entre sauver Willy et il faut espérer un monde meilleur, mais qui n'ont pas vraiment grand-chose à proposer, ou en tout cas, qui ne sont pas capables d'assumer une confrontation avec l'ordre établi. Or, l'écologie politique, dans ces dernières années, elle a, à minima, je trouve, permis de renforcer les états de conflictualité qui se posent à partir de la question écologique. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que j'ai écouté aussi le meeting, et ce n'est pas parce que Marie Toussaint le dit avec une voix. Je pense d'abord que le groupe au Parlement, le groupe écologiste au Parlement est un gros groupe batailleur. Moi, je ne suis pas du tout verte. J'ai jamais voté vert de ma vie, de mon existence. Donc, je n'ai pas de sujet. Ce n'est pas ma boutique. Hein. Mais je vois le travail effectué par les Verts au Parlement européen. C'est quand même un très bon boulot. D'ailleurs, Manon Aubry aussi fait du très bon travail. Hein. Alors, ils votent d'ailleurs souvent ensemble. Mais je ne suis pas d'accord. Je pense que les Verts, ils ont intégré la question conflictuelle complètement. Je pense que ce premier meeting, c'est pour dire on est là. Je pense qu'ils veulent séduire les jeunes. Vous savez,
il y a 70% des jeunes qui ont voté, ils ont voté massivement, évidemment, ils ont voté pour les Verts. Et surtout, ils ont voté le dernier jour, le jour du vote. Les votent aux européennes. Oui, oui, les jeunes qui votent aux européennes. C'est donc une partie très particulière de la jeunesse. Peut-être. Très diplômée, très dotée de capitaux, etc. En tout cas, ça veut dire que ça envoie 14, 15 ou 20 députés. Ça veut dire qu'on peut absolument inverser le rapport de force. Ça veut dire qu'on n'est pas très loin dans les équilibres au Parlement. On est à quoi, 40 voix que ça bascule, hein. Non, mais donc, moi, je ne doute même pas de leur conviction. Quand je dis que c'est le sujet, c'est que je dis que malheureusement pour eux, ils sont la caricature de ceux qu'ils représentent. À savoir des gens qui ont des moyens sociaux évidents, ce qui leur permet de développer un discours sur les besoins qualitatifs. Et c'est très important. Quand je dis besoins qualitatifs, c'est-à-dire les conditions de vie, le vivant, etc. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une période, et on venait de l'évoquer, où on a 9 millions de pauvres, on a la faim qui remonte, on a une part des gens qui sont au SMIC qui explose parce que les salaires sont trop bas, on a des gens qui sont dans des difficultés fondamentales, on a l'autoritarisme d'État qui fait péter tous les critères, et on a un discours qui vient nous expliquer que parce qu'on serait gentil et qu'on a plein d'espoir, ça va marcher. Et en fait, c'est un discours de gens qui n'ont pas un sens des priorités très, très ancré dans les classes populaires, en tout cas dans le regard aux classes populaires. Je voulais qu'on parle de la présence de Gaspard Koenig, fondateur du think tank Génération Libre, et qui a suscité la controverse lors de ce meeting. Moi, je n'ai pas compris ce que faisait Gaspard Koenig, honnêtement. Moi, je pense que le recyclage du libéralisme dit progressiste, ça fait partie de leur travail qui politique. Est Gaspard Koenig, d'abord. C'est un libertarien progressiste autodéclaré, donc c'est-à-dire un libéral jusqu'au bout du terme, libéral politique, mais libéral économique, qui croit que le marché est un outil formidable. D'ailleurs, Marie Toussaint, dans le discours, elle dit « le marché est un outil », ce qui était une phrase curieuse en attendant, puisque elle, en tout cas le mot capitalisme, elle n'a pas été capable de le prononcer, et même si elle a parlé de puissance d'argent, etc., et de lobby. C'est quelqu'un qui est progressiste, il est pour le revenu universel, par exemple, et les Verts ont historiquement un lien avec cette proposition, on va dire, qu'on appelle post-matérialiste, c'est-à-dire qui est une position proposée en dehors de la pensée des structures économiques et sociales telles que les ont pensées le mouvement ouvrier qui a historiquement fait la gauche en France. Donc il était là. Encore une fois, moi je pense que simplement ils se refusent de... Comme ils n'ont pas réussi à trancher leur rapport avec la gauche, ils repartent sur leur ligne historique, c'est nous les écolos, on a notre propre grille d'analyse, on va l'imposer comme la grille d'analyse du XXIe siècle. C'est ce que disait Marine Tondelier pour construire le parti, en disant on va faire 1 million d'adhérents sur cette idée, et je pense que c'est un échec, ça a toujours été un échec, et je pense qu'ils renouent avec ça, manque d'idées en fait. Je pense que leur campagne va avancer, il suffit de regarder leur affiche, ils ont mis l'écologie derrière parce que c'est à qui qu'ils défendent l'écologie, c'est justice, paix, écologie. Je pense qu'ils vont se lancer dans le grand bain de la question des affaires étrangères, de la question de la justice sociale, plus tard. Je pense que le meeting, c'était vraiment pour assurer. Après, sur le revenu minimum, je suis d'accord sur le revenu universel. Moi, c'est une idée que j'ai aimée, qui a tellement été abîmée par Benoît Hamon. C'est pas parce qu'elle a été abîmée, pas parce que c'est Benoît Hamon, mais il n'a pas eu le temps de la travailler. C'est une idée extraordinaire. Bien sûr qu'elle a été mise en place par des économistes, entre guillemets, de droite, mais elle a été pensée pour compenser les 50 ans de transition numérique qui vont mettre sur le carreau des millions d'emplois. Et je pense que vraiment, cette idée, c'est dommage, elle a été, c'est pas qu'elle a été mal portée par Benoît Hamon, parce que c'est pas ça le sujet. Elle a été mal utilisée, mal portée, mais c'est une idée qu'il faut remettre. Mais sur Gaspard Koenig, je suis d'accord avec ton analyse, Paul, mais il n'empêche que sur l'ensemble, moi je suis une boomer, normalement je devrais être choqué par Bouti Dance. Moi ça m'a fait... J'ai compris ce qu'elle voulait dire, ce qu'il voulait faire avec la Bouti Thérapie. Hein. Okay. Moi je pense que justement c'est une idée de boomer et que les jeunes générations vont considérer que c'est... C'était rempli de jeunes. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas sûr que ça passe chez les très jeunes. En tout cas, c'est anecdotique. Moi, j'étais complètement un peu comme ça, interloqué. Et dans ma famille, dans l'ensemble de mon clan, ça va de 16 à 24 ans, ils ont adoré ce meeting. J'en ai dit, OK, c'est bon. Voilà, ça a marché, je vote vert, ça a été ça le truc. Moi je pense pas que c'est un problème qui passe pour des clowns, ça leur arrive régulièrement et ils en sont pas morts. Le problème pour moi c'est la question de la ligne politique, c'est qu'il y a un côté new age, un peu les boutithérapies, elles ont parlé plusieurs fois de féminin sacré, on sait pas trop, ils en vont et on a l'impression que... quand même de Sandrine Rousseau sur la danse qu'elles ont dansée qui serait issue de la guerre civile en Côte d'Ivoire, c'est n'importe quoi, c'est complètement faux. La question en vrai c'est de montrer que quand on veut incarner une alternative politique, on ne peut pas se permettre
de, pour avoir l'air cool ou pour essayer de trouver son nouvelle, sa nouvelle image, de renoncer politiquement à des sujets. Et je pense que le côté développement personnel, ésotérisme, qui a toujours existé hein, dans une part de la galaxie écologiste, c'est par, ça parle à une partie du cœur historique des Verts, mais que ça, à gauche, ça fait tâche. Ma conviction, c'est que ça va changer, que leur campagne va changer, que ça va partir sur la justice. Regardez leur affiche, hein, Marine Tondelier, cette affiche, elle est incroyable, elle m'a vraiment étonnée. Elle est verte sur fond noir, Marie Toussaint est en noir, justice, paix, écologie. Je pense que ça, c'était le premier acte de la fusée, qu'on va en arriver aux choses beaucoup plus sérieuses. Mais je ne fais pas la promo des Verts, hein. Merci, ne croyez pas, pas du tout, pas du tout, je m'en fous complètement. Françoise, merci Paul, merci à vous de nous avoir regardés. Maintenez votre télé sur le canal 350 de la Freebox pour rester au contact d'une info différente, bien entendu. Nous sommes toujours disponibles sur les canaux habituels, notamment sur YouTube. Abonnez-vous, mettez des petits pouces en haut, soutenez-nous en vous abonnant ou en faisant un don sur le média tv.fr/soutien. Quant à moi, je vous dis à plus.